Des pertes humaines et des dégâts énormes dans le sud du Maroc. Un bilan morose dressé par les journaux ce matin. Les fortes intempéries se poursuivent. Le cauchemar continue donc pour les populations de Sous-Massadra, affirment les échos. Entre coupures d'eau et d'électricité et liaisons routières interrompues, la région est complètement paralysée. Et c'est la ville de Sidi Ifni qui enregistre le plus de dégâts, écrit le quotidien. Autre ville aujourd'hui en détresse, c'est Gilmim rappelle libération. Une grande partie des infrastructures a été endommagée. Le débordement des oueds de la région a provoqué l'isolement des habitants. Une situation tellement catastrophique que toute la province a été déclarée zone sinistrée. Et pour venir au secours des populations de cette zone, mobilisation générale des pouvoirs publics, titre le matin, une réunion a été présidée par le ministre de l'Intérieur à la Wilaya d'Agadir. Pour Mohamed Hassad, la priorité est d'accélérer la réparation des routes et des réseaux électriques et d'adduction d'eau potable endommagée par les pluies. Pour la nouvelle tribune, après les crues, le Sud est en train de vivre un retour à la normale. Le journal s'intéresse aux opérations de secours à Ouarzazate qui ont permis de sauver plusieurs vies humaines. Mais pour aujourd'hui, le Maroc, le Royaume continuera de subir les effets des conditions météorologiques instables. Le journal revient lui aussi sur les lourds dégâts humains et matériels dans le Sud. Approvisionner les villages enclavés et les sortir de leur isolement sont les priorités aujourd'hui. c'est pourquoi le roi Mohamed VI a donné ses instructions au ministère de l'Intérieur pour distribuer des denrées alimentaires de première nécessité à 250 villages, précise le quotidien. La formation du prochain gouvernement, la question fait la une des journaux tunisiens. Monsef Marzouki fait marche arrière, précise la presse. Il promet finalement de retirer ses recours électoraux, lit -on. Pour rappel, le président sortant, candidat à sa propre succession, avait contesté les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Des résultats favorables à Béji, Kaïd subsi Mais après une entrevue avec Rachid Renouchi, chef de file de Nahda, Monsef Marzouki revient sur ses pas. Renouchi a lui joué au médiateur dans cette affaire, commente le journal. La presse française n'a Dieu que pour Nicolas Sarkozy, l'ancien chef d'État et désormais nouveau président de l'UMP, a annoncé la création d'un comité des anciens premiers ministres au sein du parti. Objectif, favoriser une gouvernance collective, écrit Le Monde. Le Monde qui passe au crible l'intervention de Sarkozy au journal de 20h sur TF1. On nous parle d'un Sarkozy qui essaie de jouer au grand rassembleur comme en 2004, sauf qu'aujourd'hui il n'a réalisé qu'une petite victoire. Il a remporté la primaire de son parti. Avec seulement 64,5% des voix. L'actualité en Égypte intéresse le Figaro. Avec Moubarak blanchi, la révolution n'est plus, titre le journal. Il revient sur la décision du tribunal égyptien d'abandonner l'accusation de complicité de meurtre de manifestants en 2011 contre l'ancien président. C'était le dernier espoir de justice qu'entretenaient les insoumis des bords du Nil, commente le journal.